Bon, ben, comme il n'y avait plus de voiture en location aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un ticket de train pour aller à Sipisoara. Tant pis, je vais aller voir le lac Balea. Mais bon, c'est le destin. Je vais aller à Sipisoara. Bon, ben je suis bien arrivé à Sipisoara et je vais aller dans le centre voir la maison de Vlad l'Empaleur, alias Dracula, vu que c'est sa ville natale ici. Et voilà, c'est parti. Bon, ben le taxi vient de me déposer. Et franchement, c'est une agréable surprise parce que waouh, c'est spécial, c'est très dépaysé, c'est très très calme, c'est vraiment une autre ambiance, franchement. Când trebuie să știi, domnule, de toate cântările, de felurile. One more song from this area, a folk song.
on which the people are dancing, you understand? Then I will really leave, because it's getting cold. It's not all right with my fingers there. C'est vraiment beau, hein. Eh bien, j'ai un coup de cœur pour ceux qui sont là. Franchement. C'est super beau, très très coloré. Bon, ben manger une petite pizza devant la maison de Vlad la Paleur, ça c'est fait. Voilà, je suis dans la maison de Vlad la Paleur. J'ai réussi à rentrer sans payer, je sais pas comment j'ai fait. Vraiment une ambiance Transylvanie ici, vraiment impressionnant. Par là, il y a un restaurant. Malheureusement, il faut un pass sanitaire obligé pour pouvoir accéder à l'étage, pour voir la pièce où Vlad est né. Ben, tant pis, on va faire autre chose. Hein.
conduciamo, așa, și conduce, știi? Non, mais regardez-moi cette vue de malade. Et il n'y a personne. Incroyable. Franchement, j'ai bien fait de venir à Sigi soir. C'est vraiment une très belle vue. Très authentique. Franchement, incroyable. Et voilà, c'est sur cette dernière image que je termine mon voyage à Sigi Soara. Non, finalement, je préfère terminer sur ça. Voilà, de retour de Sigi Soara et je suis sur la grande place de Sibiu, là où tout a commencé, et c'est ici qu'il fallait, c'est ici que tout a commencé et c'est ici que ça devait se terminer, mon voyage en Roumanie, qui restera un très bon voyage et un très bon souvenir. Et voilà. Et maintenant, j'espère que mon prochain voyage se fera en Asie avec une idée en tête, le Japon ou la Chine ou la Mongolie. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain voyage encore plus fou.